Pourquoi le Père Noël se déplace en traîneau? Oh, oh, oh. C'est vrai ça? Monsieur a peur de l'avion? Il faut savoir que c'est pas le cas partout, hein. Dans d'autres pays du monde, le Père Noël a d'autres moyens de locomotion, mais il faut savoir que c'est le plus répandu. Et c'est au 19e siècle qu'est apparu notre fameux traîneau. C'est un pasteur américain qui en est l'inventeur, et je vous en ai déjà parlé. En effet, c'est Clément Clark Moore. Vous vous souvenez l'auteur du poème? Il avait écrit ça pour ses propres enfants, en hommage au bon vieux Santa Claus, celui qui a imaginé les huit rennes. Salut, c'est Ralph. Tu pouvais pas imaginer une grosse Bugatti avec 1500 bourrins sur le capot. Eh ben non, il s'est pas fait chier. Il reprend le Saint-Nicolas. Il fait disparaître le Père Fouettard. T'es viré. Parce que t'es méchant, t'es vilain. Il dota le brave homme d'un certain embonpoint, d'une crosse en sucre d'orge, mais aussi d'un traîneau attelé à huit rennes. Ouais ma gueule. Sur ce, on va arrêter de traîner ici et je vous dis à demain.